Et yo tout le monde, c'est Kaka Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 20. Donc voilà, aujourd'hui les mecs, j'espère que vous allez bien. Sur ce, ça fait un petit moment déjà, j'ai pas fait de... Ça va faire presque une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà je m'en excuse pour ça. J'avais pas beaucoup d'idées de vidéo, j'avais pas trop le temps non plus, bon je joue quand même, hein. Voilà, bon. Alors là, aujourd'hui, les mecs, on va se retrouver pour une draft. Juste avant, voilà, je viens de récupérer un petit pack, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Et après, on partira pour une draft. Donc, on va reprendre les drafts, la time et tout. Avec, par exemple, Oula, pardon, excusez-moi pour le bruit. Oula. Je sais pas si vous avez entendu le même bruit que moi, mais, c'était un peu... c'était un peu bruyant, quoi. Voilà, simplement. Bon, alors, je vais juste vite fait, les gars, histoire de gagner un peu de crédit. Voilà. Voilà. Allez. Du coup, les mecs, du coup, comme je le disais, on est parti pour une draft à thème. But du jeu, avoir le plus de future stars, parce qu'il y a eu la deuxième team qui est sortie. Donc, c'est parti. Let's go, en utilisant toujours les crédits, bien évidemment. C'est parti. On a un 4-4-1-1. Un 3 5 2 1 4 1 2 1 2 1 3 4 3 à plat, un 5 2 1 2. Bon, il n'y a pas des compos de ouf, mais on peut faire quand même quelque chose. On peut faire quand même quelque chose. Alors, je pense que je vais partir là-dessus, parce que même pour jouer, je pense que ce sera plus simple de partir sur un 3, je sais pas combien. Allez, c'est parti. Bah voilà, déjà on commence très bien avec Gabriel Martinelli. Voilà. Future Star, c'est parti. Qui a une très belle carte, hein. Qui a une très très belle carte, 95 de vitesse. Ça, déjà, ça aide beaucoup en ailier. 88 de frappe, 80 de passe, 90 de dribble et 75 de physique. La défense, j'en parle pas. Même si, après, c'est quand même à la base un milieu, donc il doit redescendre pour défendre. Je pense plutôt que c'est un joueur à jouer en ailier. Allez, voilà, ça déjà, ok. Bon, déjà, on en a eu un. Si on peut en avoir 11, c'est parfait, hein, mais déjà on en a eu au moins un. Allez, on continue avec un petit David Neres. En plus, c'est rien que parce qu'il est brésilien. Alors ensuite, on a qui en BU? Attention, roulement de tambour. Non, headliner, c'est plus les headliners. C'est plus les... Merde, j'ai pris plage, je voulais pas plus rendre plage, je voulais prendre de la merde, c'est pas grave. Allez, on continue. Attention, roulement de tambour, toujours pas de... Pas encore d'autres futurs stars, on va prendre Lionel Messi. Alors, voilà, après les mecs, je pense que je vais pas me prendre la tête sur le collectif, hein, que quoi que ce soit. Et le deuxième futur star, Bounassar. Non. Enfin, c'est Sarr, quoi. Je crois pas que c'est Bounassar, mais, ouais, ça, c'est Ismail Aïssar. Qui joue à Wolf, je sais pas quoi, Wolfsburg, ou un truc comme ça. Watford, voilà, c'est ça. Watford, excusez-moi, hein. Je suis pas super calé, dis donc, hein. Ce soir, je suis pas très calé, excusez-moi, en plus, je parle pas très clairement, je pense. Donc voilà, alors du coup on dit donc du coup je disais que 90 de vitesse, très bien, 87 de frappe, très bien, 88 de passe, très bien, 94 de dribble, très bien, 76 de physique, voilà, il a quand même un peu de force, il a de l'endurance, 86, donc ça c'est bien. Après voilà, il a pas beaucoup de précision au niveau de la tête, il n'arrive pas trop à défendre. C'est pareil, pour moi c'est plus un ailier que un milieu qu'un milieu, oui c'est ça, un ailier qu'un milieu, parce que bah il manque de défense. Allez, c'est pas grave, on continue avec l'MC, le 3, et ouh, on en a deux. Pour le collectif, et je pense qu'il est plus complet, je prendrais Tielemans. Allez, c'est parti. Bah déjà les mecs, on en a trois, et on n'a même pas encore fait de les réservistes et les remplaçants. Donc ça déjà c'est parfait. Ça nous annonce une draft avec beaucoup de futures stars. En espérant qu'on en ait toujours. Allez, c'est parti, le défenseur central. Oh, un petit outil de light. Ça fait sympa, c'est sympathique. On n'a pas le collectif, hein, mais c'est pas grave. Voilà. C'est vraiment une draft pour s'éclater les mecs. Là, par contre, on va quand même prendre Varane. Restons un petit peu logiques, s'il vous plaît. Voilà, on va quand même rester à prendre Varane. Ouh, Van Dijk, Totti qui tombe. Alors, par contre. Ce qu'on va faire. Non. Bah, non, 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 on recommence. Voilà. Clac. Je vais faire ça. Et. Ah, bah non. Bon, d'accord. Bon, bah, on va laisser ça comme ça, écoutez. Allez, le gardien. On tombe de haut.
On tombe de haut pour le gardien, mais c'est pas grave. On a quand même 91 de notes, hein. Faut dire, vu les joueurs qu'on a, on peut avoir une très très belle note. Allez, c'est parti, on continue. Danilo avec un petit Ricardo Pereira. Ricardo Pereira, est-ce que je vais pouvoir le caler? Je pense pas trop. Non, je pense que je vais pas pouvoir le caler. Bah écoutez, on va pas chercher à comprendre, hein. On va le caler là. Écoute, hein, si je dis c'est qu'on peut le caler là, on le cale là, hein. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est pas grave. Alors ensuite, on continue avec le deuxième réserviste qui serait un petit. Je prends un petit hasard, tiens, allez, un petit hasard. J'aime pas trop sa carte, mais bon. Allez, on prend un hasard quand même. Allez, encore un réserviste. Ouf. Bon bah Soussou, c'est pas super super, hein, voilà. Oh, bah le seul OGW que vous pouvez packer dans les drafts, c'est Icardi. Yes, on est contre pour Icardi. Non, c'est fou, on s'en bat totalement. On s'en fout totalement, voilà. Bah je prends Nagoro. Je prends Nagoro, on va quand même essayer de rester un petit peu logique. En plus, il fait lien orange avec Messi, donc ça c'est cool. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Oula, on a plus beaucoup de future stars. Merde, j'ai pas fait exprès. On a plus beaucoup de future stars. Allez, peut-être un future star. Non, pas de future star. On va prendre. Je vais prendre Mané, je pense, pour le collectif. Histoire de. Hop. À la place de David Neres. Allez! Oula, oula, ça a frise un petit peu, excusez-moi. Ça a frise un chouïa. Tout va bien. Bon, on a quand même du lourd. Je vais prendre Neymar. Je vais prendre Neymar. Ouh là là. Bon, alors je crois qu'on va finir sur 3 futures stars. Hein. C'est dommage parce que la draft avait très très bien commencé. Et finalement, on s'en rend compte que bah, niveau futures stars, là, on n'a plus trop trop. On va retrouver du collectif, mais on va pas retrouver de futures stars. Allez, un petit Camara, s'il te plaît. Ça sera quand même un Robertson 94. Qui sera très correct. Qui va nous mettre un petit plus 6 avec lui. Et hop là, 90 de collectif les mecs, un petit gardien, sympatoche. Schmeichel, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et ben en vrai les mecs, je pense que si j'ai un DC première ligue. Ah ouais, quoique. Ouais, si je pense quand même que le DC première ligue va faire du bien. Si on en a un, ça serait cool. Oh. Aïe aïe aïe. Oui, brésilien, mais est-ce que ça va faire beaucoup plus de collectifs? Bah non. Je sais pas trop qui prendre. Ouais, je suis un peu perdu. Je réfléchis les mecs, excusez-moi. Ah mais après, attends, on a un DD première ligue. Ce qui ferait faire un peu plus de collectifs. Bon, on va prendre Nelson Semedo. Et on va aller voir. Si avec un petit Ricardo Pereira, on n'arrive pas à choper le collectif. Plus deux, regarde donc. Regarde donc. Regarde donc. Bon, par contre, j'en crois qu'un plus deux. Avec un peu de chance, avec. Putain, c'est nul parce que là, on peut faire une très très belle. Why? Why? Attendez, on m'explique ce qui va se passer là ou pas là? On m'explique la logique ou pas? Mais ouais, mais attends. Ah ok, d'accord. Ok, on récupère le. Ok. Non, parce que j'allais dire, là, c'est pas très très logique. Le jeu n'est pas très très logique. Déjà qu'au terme de gameplay, je vous propose rien parce que le jeu est trop rageant. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est beaucoup trop rageant. Il faudrait améliorer des trucs et tout. Faudrait changer beaucoup de choses. Si en plus, maintenant, même quand on fait des vidéos draft. Faut qu'on se prenne la tête à faire des machins, des trucs bizarres pour avoir un truc, pour avoir une note dépitant à la fin. Je crois qu'on arrête les vidéos FIFA après, hein. On se casse sur Rocket League ou un truc comme ça, hein, très clairement, parce que comment te dire que là, après on peut plus faire grand-chose, hein. David, clac. Alors je suis un peu le tri hein, sur les bancs. Du coup oui, donc du coup en même temps je vais en profiter pour parler un peu de la chaîne. Parce que bah il va y avoir des trucs qui va bouger, vous inquiétez pas. Hein. Déjà les mecs là ça va être mon anniv, donc je vais avoir un jeu. Je pense qu'au moins j'aurai au moins un jeu. Voilà.
qui sera sur une autre plateforme que d'habitude, pas sur Xbox, qui sera sûrement certainement sur Switch. Si j'arrive à le filmer, bien évidemment, bah vous aurez du gameplay. Si j'arrive pas à le filmer, vous aurez pas de gameplay. Mais je vous spoil quand même pas le jeu, on sait jamais. Alors, l'entraîneur. Voyons voir si on peut choper un peu plus de collectif. On peut pas. Donc on pourra pas non plus. On peut pas non plus. Portugais, non. 96 quand même. 95. Bon, bah on finira sur 96 de collectif. C'est dommage parce que la draft est belle. Donc ça nous fait une 187. Parce que des fois, t'arrives à faire quand t'as le collectif et tout. Et quand même, on a eu trois future stars qu'on peut mettre dans le collectif. Voilà, qu'on peut mettre dans. Qui rentrent parfaitement dans le collectif. Bon bah les mecs, du coup, bah je trouve que la vie. Bah je trouve quand même qu'on a fait une très très belle draft. Sur ce, eh ben moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bah moi du coup, je vous retrouve demain. Demain, je pense que je ferai mon résumé de feu de champion. Demain, oui, parce que je me suis remis à faire feu de champion. Dans ma tête, c'est réfléchi. Et je me suis dit, les abonnés veulent du pack opening. C'est faux. On n'en a rien à faire, c'est pas grave. Je vous dis à demain, du coup, pour le résumé du pack du fait champion. Ce soir, les mecs, c'était KK Gaming. Peace!